Allez, le coup franc de Nadir Belhadj dans la surface de réparation. C'est très dangereux. La tête. L'ouverture du score du CS Sedan Ardennes. Le beau coup franc de Nadir Belhadj. Et le gardien Maxime Cassara qui ne peut rien faire sur cette occasion. Qui récupère avec son pied gauche. Va rechercher Julien Romain. Mais précédé par le 19 Liboy. Allez, on est côté droit avec un centre. Attention à Nizayamo dans la surface de réparation. Attention, oui. Et c'est le but. La remise de Lamy sur ce centre de Marie, il me semble. Là, le fameux centre au second poteau avec Lamy qui remet ce ballon au centre du terrain dans les 6 mètres pour Nizayamo tout seul. Allez, Rigolin, et ce sera Nomen Janari. Attention, le transversal. Superbe coup franc de Nomen Janari. Temps fort, pas loin. Allez, Kevin Martin sur mon centre. Et attention, le but. Et le but. Le but de Julien Romain, il me semble. Très très bon centre de Kevin Martin. Mauricio face à Doumbia. Mauricio qui a tenté de servir Greg Thiel. Et là, c'est une grosse faute de la part de Tony Mauricio. Mauricio a déjà un carton. Mauricio, ouais. Effectivement, a déjà pris un carton jaune. C'était à la demi-heure de jeu. Et voilà, il quitte ses partenaires. Coup dur, là, pour les Boulonnais. Avec Greg Thiel. Au deuxième poteau, il y a Romain Abran. Est-ce qu'il peut le servir? Oui, Romain Abran servi, pied droit. Une frappe de Teddy Thomas du pied gauche. Une frappe de Thomas, mal maîtrisée. Et c'est Rémi Bonenfant qui oblige Geoffrey Valtus à une parade incroyable. Zanaalé pour Richtin, avec Zanaalé encore, Zanaalé, le centre d'aller vers Dutournier, but! L'ouverture du score de Charlie Dutournier à la 38e minute, en faveur de l'US Concarnoise. Ça s'est bien joué, tout de suite dans le dos de la défense, il est face à son vis-à-vis, il est à rentrer dans la surface, la frappe! Et l'ouverture du score, bravo! 33 secondes de jeu! Ambroise Beau qui avait pu marquer depuis de longs mois. Opération marseillaise. Et attention, un bon ballon cette fois-ci pour Lopez qui est signalé pas en jeu. Et c'est l'égalisation marseillaise. L'égalisation à la 21e minute sur ce bon ballon en profondeur. Et ben c'est choisi au deuxième. Et Max Estor. Et c'est. Non, c'est Arnold Lem. C'est Arnold Lem, effectivement. C'est Arnold Lem qui a inscrit ce deuxième but. Ah, c'est parti pour Nyangbo face à Davis et Passy. Et c'est dedans, impeccable. Contre-pied parfait. Deux buts partout. Alors qu'on est à peine à 5 minutes de jouer. On va voir ça dans quelques minutes. Le ballon de Sergio, ça s'est bien joué de la part de Sergio. Et le but. Oh, quel but. Et le but superbe. Reprise de volée. Bozok à 25 mètres. Et bon ballon pour Nyangbo. Quel bon ballon pour Nyangbo. Et le quatrième but marseillais. C'est le même que le premier. Il y a le jeu sur Boukari. On remet sur son côté. Voilà. Oh, la frappe derrière. Et le but. Alors là. Comme quoi. Alors là. Comme quoi c'est. Comme quoi, un raté peut amener un beau but. Hein. Avec, belle percée. Belle déviation, ça rejoue sur le troisième. Une belle action. Il essaie d'y aller seul. Attention. Ça revient avec les buts. Oui. Le but. Et oui, but. On le voyait, but de Besnard, on le voyait arriver. C'est suite à une belle action à 3. Yohou qui a apporté le surnombre. Hein. Ouais. Bueno bien joué avec Besnard et la faute. Aldo Angula sur Pedro Henrique Bueno. C'est Ramon. Pied droit. Et le pied droit de Dessouza. Très bien tiré. Le but. Eh ouais, au-dessus. Quel but de Dessouza. Au-dessus du mur. Avec Arroyo. Ouais, qui va décaler Chuacha. La bonne remise de Chuacha. Au second poteau. C'est dedans. C'est dedans avec le poteau. Et l'ouverture du score, elle est signée Malik Chukwunte. Avec le superbe travail, c'est à noter, d'Alexis Arroyo. Avec Kinkela. Kinkela sur le côté droit. Et petit passement de jambe du Congolais Kinkela. Oh, c'est passé. Le centre de Kinkela au premier poteau. C'est dedans. Oh, l'égalisation encore une fois de Chambly. Dans le temps additionnel. Mais c'est incroyable.
comme il y a 15 jours. Et ne me dites pas que c'est Henri quand même qui est allé égaliser. Non, c'est Eduardo Rodrigo. Shafik Tigrouja et Greg Goulet au premier poteau qui trouve les filets d'Anthony Beuve. Ouverture du score donc de Greg Goulet, déjà buteur la semaine dernière à Créteil. Avec de rien. Et Mayoulou là qui s'est joué de Djibril Konaté. Mayoulou qui fait la différence. Et Mayoulou qui égalise pour Avranche. Un but partout désormais. 11e réalisation de Christopher Mayoulou qui s'est joué de la défense herbretaise.